L'Université de Moncton, ses trois campus, est heureuse de reconnaître les terres sur lesquelles ces campus reposent. Ces terres font partie du territoire traditionnel non cédé des Malécites et des Mi'kmaq. Ce territoire est visé par les traités de paix et d'amitié que les Malécites et les Mi'kmaq ont d'abord conclus avec la couronne britannique en 1726. Les traités ne comportaient pas de clauses relatives à la cession des terres et des ressources, mais en fait reconnaissaient le titre de Malécite et de Mi'kmaq et définissaient les règles quant à ce qui devait être des relations durables entre les nations. Aujourd'hui, l'Université de Moncton est fière de se montrer solidaire avec les peuples autochtones et encourage fortement les discussions et les événements qui conscientisent notre communauté universitaire à leur histoire et leur réalité. Un vent de reconnaissance souffle plus que jamais depuis la Commission de vérité et réconciliation du Canada et nous sommes ravis de participer activement à ce changement. Mesdames et messieurs, chères finissantes et finissants, c'est dans la fierté et la réussite que nous vous accueillons chaleureusement à cette 74e cérémonie de collation des grades au campus de Moncton. Nous célébrons aujourd'hui la réussite et les accomplissements des finissantes et finissants inscrits à la Faculté des arts et des sciences sociales de l'Université de Moncton. Toutes nos félicitations à la cohorte 2021. Cette année, plus de 1 000 finissantes et finissants recevront un diplôme de l'Université dans nos trois campus. Un jour de collation est un jour mémorable, excitant, heureux, que l'on aime célébrer en famille et avec les amis. Sachez que la grande famille universitaire, acadienne et francophone, est très fière de votre réussite. C'est un jour de fête, alors pour lancer cette célébration, mesdames et messieurs, accueillons chaleureusement la chancelière de l'Université de Moncton, Mme Louise Imbeault. «
Monsieur le recteur et vice-chancelier, membres de la communauté universitaire, mesdames et messieurs, chères finissantes et chers finissants, permettez-moi tout d'abord de vous dire que j'aurais préféré, et de beaucoup, passer cette journée de collation en votre compagnie sur l'un ou l'autre de nos trois campus, Edmundston, Moncton ou Chipagan. Nous aurions pu alors échanger sur vos projets d'avenir et j'aurais pu vous dire de vive voix toute la fierté que votre université éprouve à votre endroit. Que vous soyez acadienne et acadien d'origine, de cœur ou d'adoption, en recevant votre diplôme aujourd'hui, vous devenez tous et toutes des membres de la grande famille de l'Université de Moncton, la plus humaine des universités. Vous devenez désormais des ambassadeurs et des ambassadrices de l'Acadie moderne, novatrice et de langue française. Une grande majorité d'entre vous choisira de demeurer au Nouveau-Brunswick et nous vous confions avec espoir et confiance le développement de notre avenir collectif axé sur des communautés urbaines ou rurales, dynamiques et inclusives sur tous les plans culturels, sociaux et économiques. Si vous choisissez de retourner vivre et travailler dans vos provinces ou pays d'origine, n'importe où sur la planète, nous vous confions une mission bien spéciale. Gardez le contact avec l'Université de Moncton. Communiquez à l'occasion avec les amis, étudiantes et étudiants rencontrés ici et profitez de vos diplômes et de l'expérience acquise en Acadie pour tisser une toile humaine planétaire basée sur le respect et la démocratie. Vous pouvez toutes et tous devenir des protectrices et des protecteurs de la nature et de notre planète. Vous pouvez tous et toutes être des bâtisseurs de la paix. Ce sont là de grands idéaux qu'il faut choisir maintenant. C'est à 20 ans qu'on peut rêver de changer le monde, en mieux, beaucoup mieux. Vous êtes capable de changer le monde, un petit morceau à la fois. Vous l'avez déjà démontré par le choix de vos études. L'obtention de votre diplôme en est la preuve. Il faut continuer sur votre lancée. Votre université est fière de vous. Soyez fiers d'elle. Félicitations et bonne route. Madame la Chancelière, Mesdames et Messieurs, chers finissantes et finissants de la Faculté des arts et des sciences sociales, c'est avec une grande fierté que l'Université de Moncton vous offre ses félicitations pour l'obtention de votre diplôme. Votre réussite est notre fierté. Nous sommes heureux de célébrer avec vous la fin de votre parcours universitaire. Vous avez cru en vous, vous avez travaillé fort et vous méritez aujourd'hui de savourer et de profiter au maximum de ce moment de réussite avec les vôtres. Comme ce ne sont pas toutes les générations qui sont confrontées à une pandémie mondiale, vous ferez sans aucun doute partie de l'historique de votre faculté pour votre persévérance et votre capacité d'adaptation sans pareil. L'histoire de votre faculté est elle-même un modèle de persévérance et de réussite. La Faculté des arts a été créée au même moment que l'Université de Moncton en 1963. De son côté, l'École des sciences sociales, fondée en 1967, est devenue la Faculté des sciences sociales en 1979 et c'est en 2001 que les deux facultés se sont fusionnées pour devenir la Faculté des arts et des sciences sociales. Depuis sa création, elle a formé des milliers de personnes qui, chaque jour, font preuve d'engagement continu et jouent un rôle clé dans leur milieu respectif. Vous devenez aujourd'hui ces gens qui font une différence significative dans nos communautés. Et vous avez toutes les raisons du monde d'être fiers de votre parcours à la Faculté des arts et des sciences sociales de l'Université de Moncton. Votre faculté, votre alma mater. Chères finissantes et finissants, le diplôme qui vous a été remis est très précieux. Un diplôme d'études postsecondaires représente tout le travail acharné, les nombreuses heures d'études ainsi que vos réussites, et ce, peu importe le mode d'enseignement. Soyez fiers de votre diplôme et célébrez-le haut et fort. Je profite de l'occasion pour souligner le 75e anniversaire de fondation du campus d'Edmundston. Il a marqué de nombreuses générations et participe activement depuis sa création au développement socio-économique du nord-ouest du Nouveau-Brunswick. Par le fait même, son école de foresterie souffle cette année ses 35 bougies. Toutes nos félicitations.
nous célébrons également 3 anciens membres du corps professoral qui, aujourd'hui, deviennent des professeurs émérites de l'Université. M. Michel Doucet devient professeur émérite en droit. M. Na Nguyen, professeur émérite en administration des affaires. Et M. Donald Poirier, professeur émérite en droit. Cher professeur émérite, vous recevez cet honneur en guise de reconnaissance pour votre contribution exceptionnelle à votre discipline. Vous représentez un modèle de réussite pour l'ensemble de la communauté universitaire et nous en sommes très fiers. Toutes nos félicitations vous accompagnent. Je reviens à vous, chères finissantes et finissants. C'est aujourd'hui un grand jour pour vous, mais également pour les membres de votre famille et vos amis qui vous ont soutenu tout au long de votre parcours universitaire. Je salue avec grand respect celles et ceux qui vous ont encouragé et qui vous ont manifesté leur appui, que ce soit par une simple écoute ou en prodigeant de judicieux conseils pour vous permettre de continuer d'avancer avec détermination malgré la période d'incertitude qu'apporte une pandémie. Un support moral fait toute la différence et donne du réconfort. Je cite Victor Hugo, artiste, poète, écrivain et romancier, qui disait « L'amour d'une famille, c'est le centre autour duquel tout gravite et tout brille. Cette pensée représente bien l'importance de nos proches dans des situations un peu plus difficiles. L'amour et le soutien des personnes qui nous sont très chères nous permettent de briller même dans des moments d'incertitude. Si la présente cérémonie est importante pour vous, soyez assurés qu'elle l'est tout autant pour les membres de la communauté universitaire, car c'est en ce moment que la mission de l'Université de Moncton prend tout son sens. À la grande famille de l'Université, à vos professeurs, aux membres du personnel, à vos collègues de classe qui vous ont épaulé tout au long de votre parcours universitaire, mille merci. Avant de conclure, sachez, chers diplômés, que votre diplôme représente le savoir, le savoir-être, le savoir-faire et le savoir acquis grâce à votre formation universitaire. Il vous permettra de vous tracer un avenir qui profitera à toute la collectivité acadienne, canadienne, voire à la francophonie mondiale. L'Acadie est fébrile et célèbre avec vous cette grande journée de réussite. C'est à votre tour de partir à la conquête du monde. Les choix que vous ferez, que ce soit sur le marché du travail ou dans le cadre d'études de cycle supérieur, auront un impact majeur sur votre avenir et collectivement sur notre avenir à toutes et à tous. Les liens que vous avez tissés à l'Université de Moncton seront parmi vos plus précieux atouts pour l'avenir. Pour plusieurs d'entre vous, votre passage à l'Université a été l'occasion de découvrir une nouvelle ville, une nouvelle région, ou encore de côtoyer des amis, eux-mêmes venus d'ailleurs. La diversité culturelle est ce qui fait la beauté de notre établissement et ce qui fait, entre autres, de l'Université de Moncton un joyau de l'Acadie. Elle concourt depuis plus d'un demi-siècle au développement de la société acadienne et de la francophonie internationale. Nous en sommes très fiers. Chers finissantes et finissants, ayez de l'ambition, croyez en votre capacité de réussir et visez l'excellence dans tout ce que vous entreprenez. Continuez votre parcours sur le chemin de la réussite. Vous avez toutes et tous un bagage unique, une expertise qui bénéficiera à l'ensemble de la société, et ce, partout dans le monde. Sachez que le monde est à votre portée. Sur ce, encore une fois, toutes nos félicitations. Merci, Madame la Chancelière et Monsieur le Recteur et Vice-Chancelier. Il me fait plaisir de vous présenter le doyen de la Faculté des arts et des sciences sociales, M. Jean-François Thibault. Madame la Chancelière, Monsieur le Recteur et Vice-Chancelier, Mesdames et Messieurs, chères finissantes et finissants de la Faculté des arts et des sciences sociales, je suis très heureux et très fier d'avoir l'occasion aujourd'hui de vous offrir mes félicitations pour l'obtention de votre diplôme. Les circonstances dans lesquelles nous sommes et qui sont un peu frustrantes, il faut se le dire, ne doivent toutefois pas jeter une ombre sur l'essentiel, soit que cette journée marque la fin d'un long parcours marqué par vos accomplissements. Ce sont ces accomplissements sur lesquels je voudrais insister. Premièrement, pour vous, rappelez la réussite que représente l'obtention de votre diplôme.
Ce n'est pas votre premier diplôme et ce ne sera peut-être pas non plus le dernier. Mais pour toutes et tous, il s'agit probablement de l'un des plus importants, car il représente une clé vous permettant d'ouvrir des portes, quelles qu'elles soient. Les 4 ou 5 années que vous venez de passer dans l'un ou l'autre des programmes offerts à la faculté resteront dans vos cœurs et dans vos têtes, en tout cas je l'espère pour vous, comme des années phares, des années durant lesquelles l'horizon de votre vie s'est lentement dessiné. Vous avez acquis, au cours de ces années, un futur, un avenir, qui désormais vous appartient. Je suis confiant que vous saurez en tirer le meilleur. Deuxièmement, pour vous inviter à mettre à profit l'éducation et la formation que vous avez reçues, afin d'imaginer la société de demain, car cette société, c'est vous qui en serez les principaux artisans. Non pas tant, même si c'est important, à titre de diplômé de tel ou tel programme, mais d'abord et avant tout comme citoyenne et citoyen éclairé sur les épaules de qui repose aujourd'hui l'imagination de la société qui sera la vôtre et la nôtre demain. Je suis fier de vous et de l'éducation que vous aurez reçue, et je suis convaincu que vous saurez mettre les connaissances et les compétences acquises à profit, tant individuellement dans vos carrières professionnelles respectives, que collectivement en tant que créateur et créatrice de la société de demain. Troisièmement, pour vous remercier. Nous le perdons parfois de vue, mais sans vous, chers diplômés, il n'y aurait tout simplement pas d'université. Votre présence est à cet égard absolument essentielle, et je ne crois donc pas me tromper en vous disant aujourd'hui, et je prends ici la liberté de parler au nom de l'ensemble de celles et ceux qui œuvrent à la faculté, que ça a été un véritable honneur pour nous tous que de vous côtoyer au cours des dernières années, même si la dernière s'est essentiellement déroulée à distance. Un mot en terminant pour vous souhaiter à toutes et à tous le meilleur des succès dans vos projets futurs. Entre-temps, je vous dis à la prochaine, en espérant une fois que les circonstances actuelles seront derrière nous, pouvoir vous voir en personne et vous le redire de vive voix. Chères finissantes, chers finissants, je m'appelle Jean-François Thibault et je suis doyen de la Faculté des arts et des sciences sociales. Monsieur le recteur et vice-chancelier, après avoir examiné et sanctionné leur dossier universitaire, le Sénat académique de l'Université de Moncton vous prie de décerner aux personnes suivantes le baccalauréat appliqué en design d'intérieur. Alison Como, Saint-Wilfred, Nouveau-Brunswick. José-Marie Lamoureux, Chédiac. Lucie-Maude Le Breton, Caraquette. Mégane Clara Lemaine, Campbellton. Le baccalauréat en arts dramatiques. Alex Gressot, Montréal, Québec. Jacques-André Lévesque, Moncton. Le baccalauréat en arts visuels. Imrys Nolan, Moncton. Le baccalauréat en arts visuels, orientation enseignement. Sandrine Duquesne, Campbellton. Florence Catherine Renson, Hillsbury, Ontario. Le baccalauréat en musique, interprétation. Olivier Adrien Martel, Batters. Amélie Richard, Dieppe. Le baccalauréat en musique, programme général. Gabriel Carouter, Batters. Zachary Doucet, Moncton. Christine Golan, Moncton. Ludovic Lambert, Moncton. Le baccalauréat en traduction, régime coopératif. Chanel Brideau, Valcomo, Nouveau-Brunswick. Le baccalauréat en traduction. Danny Couturier, Grand Sault.
Sandy Arquell, Dalhousie, Nouveau-Brunswick. Allison Lang, Rose C., Nouveau-Brunswick. Jessica Lévesque, Chamberlain, Dundee, Nouveau-Brunswick. Valérie Martin, Edmundston. Vanessa Annie McCarthy, Drummond. Le baccalauréat en travail social. Maryse Arsenault, Batters. Amy Bellavance, Saint-Quentin. Angie Juliette Béliveau, Chédiac. Alexandra Benoît, Tracadie. Jason James Bergeron, Kedgewick. Émilie Boudreau, Campbellton. Marie-Claire Boudreau, Tracadie. Gabrielle Bourque, Saint-Antoine. Jimmy Brochu, Batters. Gina Colette, Bouctouche. Hélène Como, Pokémouche. Claudie Cyr, Dieppe. Christine Dionne, Drummond. Caroline Doiron, Atollville. Maggie Duguay-Richardson, Tracadie. Marilène Dupont, Grand-Sault. Mélissa Frenette, Dunlop. Catherine Alexandra Gauvin, Chipagan. Véronique Gauvin, Dieppe. Alexandra Godin, Edmundston. Raphaël Godin, Caraquet. Karine Laforge, Grand-Sault. Brielle Lant, Edmundston. Patrick Laplante, Dieppe. Gabriel Leblanc, Chédiac. Nicolas Leblanc, Dieppe. Jolin Le Breton, Tracadie. Gabriel Léger Priot, Dieppe. Isabelle Marcoux, Saint-Louis-de-Kent. Adam Mazerolle, Saint-Léonin. Cassandra McGrath, Tracadie. Julie Morneau, Saint-Isidore. Samuel Morneau, Edmundston. Jessie Anne Nini, Allarville. Kimberly Simone Okana, Halifax. Valérie Plourde, Edmundston. Marie-Hélène Robichaud, Caraquet. Renise Robichaud, Tracadie. Danissa Roy, Saint-Quentin. Carianne Saunier, Tracadie. Jessica Turcotte, Kedgewick. José Vautour, Saint-Louis-de-Kent. Le baccalauréat SR, spécialisation en sciences du langage. Marie-Soleil Benoît, Tracadie. Gabrielle Blaquière, Rustico-Nord, l'Île-du-Prince-Édouard. Annie Druard, Gallagher Ridge, au Nouveau-Brunswick. Rebecca Thibodeau, Tracadie. Le baccalauréat S sciences sociales, spécialisation en économie. Alexandre Saint-Onge, Moncton. Le baccalauréat S sciences sociales, spécialisation en sciences politiques. Baba Farida Agono,
Lomé. Marc-André Viennot, Cap-Pelé. Le baccalauréat S Sciences sociales, spécialisation en sociologie. Alex Régis Arsenault, Batters. Simon Delorme, Cowansville, Québec. Le baccalauréat SR, majeur en anglais. Kéline Arsenault, Saint-Antoine. Émilie Casey, Rogersville. Samuel Robert Leblanc, Moncton. Julie Surette, Moncton. Le baccalauréat SR, majeur en études françaises. Félix Bélanger, Cap-Pelé. Samantha Boudreau, Halifax. Lauralie Deschambault, Sainte-Foy, Québec. Émilie Lausier, Tracadie. Le baccalauréat SR, majeur en histoire. Samuel McDonald, Kingston, Nouvelle-Écosse. José Thériault, Allarville. Le baccalauréat SR, majeur en information, communication. Martin Brideau, Le Goulet. Christina Cormier, Dieppe. Yamadou Diallo, Bamako, Mali. Derek Dubé, Claire, Nouveau-Brunswick. Amélie Galland, Dieppe. Marie-Claude Guignard, Pigeon Hill, Nouveau-Brunswick. Renaud Larocque, Lamèque. Mathieu Lewis, Petit Rocher. Dali Makalou, Bamako, Mali. Cindy Marinaka, France. Zoé Pitre, Fredericton. Awanio Sanogo, Bamako, Mali. Le baccalauréat S Sciences sociales, majeur en criminologie. Émilie Arsenault, Rogersville. Mathias Grasse, Baniyéné, République démocratique du Congo. Éline Bédard, Moncton. Marie Bellefleur, Dieppe. Kéliane Bouchard, Rimouski. Alex Boudreau, Dieppe. Laurence Bourgeois, Moncton. Rosie Brideau, Tracadie. Justin Brun, Dieppe. Taylor Kathleen Campbell, Quispensis. Tommy Cormier, Dieppe. Abélia F. Cournoyer, Sainte-Marjorique, Québec. Véronique Cyr, Dieppe. Axel Échardour, La Roche-sur-Yon, France. Céleste Godet, Fredericton. Janelle Graham, Dieppe. Marc-Antoine Haché de Grasse, Pigeon Hill, Nouveau-Brunswick. Patrick Hébert, Ottawa. Véronique Mallet, Tracadie. Véronique Martin, Saint-Louis-de-Kent. Cassandra Morneau, Edmundston. Amandine Nadeau, Blainville, Québec. Danica Poirier, Bouctouche. Maëlle Rioux, Québec. Alexandre Robert, Kingston, Nouvelle-Écosse. Julie Robichaud, Chédiac. Geneviève Roussel, Le Goulet. Maude Savard, Trois-Rivières.
Simon Savoie-Viennot, chez Diac. Annick Thériault-Bertrand, Nouveau-Brunswick. Jasmine Thériault, Moncton. Le baccalauréat S sciences sociales, majeur en économie. Paola Nshuti, Kigali, Rwanda. Le baccalauréat S sciences sociales, majeur en sciences politiques. Bukola Ajibougoun, Abidjan, Côte d'Ivoire. Adam Mamadou Konté, Conakry, Guinée. Sou Duguay, Miramichi. Alex Lord Giroux, Dieppe. Sébastien Luigi Montagano Bélanger, Bacaraquet. Johanna Nari, Chédiac. Le baccalauréat S sciences sociales, majeur en sociologie. Judith Bourque, Dieppe. Le baccalauréat S sciences sociales, majeur en sociologie, majeur en sciences politiques. Sarah Ramos, Bogota, Colombie. Le baccalauréat SR multidisciplinaire. Lindsay Carter, Riverview. Isabelle Emery, Fredericton. Steve Lang, Edmundston. Germain Saint-Pierre, Landry Office, Nouveau-Brunswick. Le baccalauréat d'études individualisées. Suzanne D'Entremont, Pobnico, Nouvelle-Écosse. Diana Iancu, Bucarest, Roumanie. Samir Kelil, Québec. Awa Kondé, Bamako, Mali. Denis Légère, Moncton. Sophie Pichette, Québec. Bokano Sankaré, Bamako, Mali. Hélène Savoie, Négouac. Natacha Savoie, Campbellton. Sébastien Terrien, Fredericton. Certificat sur les toxicomanies. Jonathan Cormier, Balmoral. Chantal Leblanc, Moncton. À toutes nos finissantes et tous nos finissants, nos sincères félicitations. Madame la Chancelière, Monsieur le Recteur et Vice-Chancelier, chers diplômés, Mesdames et Messieurs, je m'appelle Mathieu Leblanc et je suis vice-doyen de la Faculté des arts et des sciences sociales. J'ai le plaisir de vous présenter celle qui a été choisie par ses pairs pour agir à titre de porte-parole des finissantes et des finissants de la Faculté pour la cérémonie de collation des grades du campus de Moncton, Sou Duguay. Originaire de Miramichi et finissante au baccalauréat S sciences sociales avec majeur en sciences politiques et mineur en sciences de la gestion, Sou a une feuille de route très impressionnante. Elle se démarque notamment par son engagement auprès des organismes jeunesse et des organismes consacrés aux francophones minoritaires, et ce depuis un très jeune âge. Parmi ses réalisations importantes, soulignons ses rôles à titre de présidente et vice-présidente de la Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick et de la Fédération de la jeunesse canadienne-française. Elle siège aussi au conseil d'administration de la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada et copréside le conseil consultatif jeunesse sur la révision des services de prévention du suicide et de santé mentale pour les jeunes du Nouveau-Brunswick. Je tiens également à mentionner que Sou a fait partie de la toute première cohorte du Centre de leadership Frank McKenna l'Alumni, puis a été stagiaire parlementaire à l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick. Son engagement lui a notamment valu le prix Leader émergent décerné par le gouvernement canadien. Sou est également l'une des récipiendaires des certificats d'excellence Pascal décernés par la Faculté des arts et des sciences sociales. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à Sou.
Madame la chancelière, monsieur le recteur et vice-chancelier, mesdames, messieurs, chers finissants, collègues et amis, nous y voici. À distance, mais nous y sommes rendus. Pour certaines et certains, ceci termine un parcours universitaire, tandis que pour d'autres, c'est diplôme nécessaire à une prochaine étape. Peu importe, j'ose croire que nos dernières années à l'Institut Pilier, qui est l'Université de Moncton, nous auront préparés à affronter nos projets futurs. Éternel optimiste que je suis, j'aimerais faire écho aux possibilités de changement que nous portons à titre individuel. Dans un monde où l'avenir est incertain, qu'il soit question de retombées économiques d'une pandémie ou des défis auxquels font face les groupes en société, la seule chose qu'il nous soit possible de contrôler sont nos actions. En ce sens, agissons au rythme de nos visions globales. Permettons-nous de mettre en œuvre les changements nécessaires en agissant nous-mêmes dans le sens de nos visions et soyons toutes et tous, à notre propre manière, leaders dans nos environnements. S'il y a bien une chose que nous apprend notre éducation, c'est l'importance de savoir que nous ne savons pas tout. Bien que nous ayons diplôme en main, il faudra continuer d'apprendre et de désapprendre au fil du temps. Cela étant dit, ayons confiance en nos compétences. Ayons confiance que nos semestres en présentiel et en virtuel nous auront permis de nous comprendre nous-mêmes, au-delà des théories apprises. À partir de quoi, il nous sera possible de contribuer à forger la société et les communautés dans lesquelles nous habitons. Si parfois l'épuisement se pointe, il importe de faire attention à nous. Soyons cordonniers et cordonnières bien chaussés pour faire changement et permettons-nous d'être présents les uns pour les autres. J'ose croire que l'arrivée de cette pandémie aura modifié nos façons de faire. En fait, c'est en temps de crise que l'altruisme semble soudainement logique. Pourquoi ne pas en faire pratique courante? Il est évident que nos habitudes pré-pandémie n'étaient pas viables et que bien que nous sommes loin des pratiques durables, les derniers mois nous ont présenté la possibilité d'une vie un peu moins pressée. Je nous encourage donc à prendre cela en considération dans le cadre de nos diverses fonctions. Pour revenir aux possibilités de changement que nous portons à titre individuel, je tiens à souligner que les systèmes se font ressentir par des individus, que les systèmes sont gérés par des individus et que les systèmes sont aussi poussés à agir par des individus. Je suis convaincue que si, à la base, nous croyons au changement, il nous sera possible de travailler continuellement à bâtir un monde meilleur pour toutes et tous. Pourquoi se satisfaire d'un monde où nos voisines et nos voisins n'ont pas accès à leurs besoins de base? En aucun moment n'ai-je mentionné que rien de tout cela ne serait facile. Il faut s'armer de résilience et pour cela, il faut se connaître soi-même. Bref, je nous souhaite une soif d'apprendre sans fin, du courage à ne plus savoir quoi en faire et la capacité de reconnaître qu'il est temps de se reposer. Succès à toutes et à tous et au plaisir de se recroiser. Merci. Thank you.
Terminer mes études en pandémie a représenté pour moi la capacité de s'adapter au changement et de développer de la résilience. J'aimerais également souligner la créativité et le dévouement du personnel de l'Université de Moncton qui a su relever le défi. Bonjour tout le monde, je vais juste prendre quelques instants pour vous dire félicitations pour l'obtention de votre diplôme. Je sais que l'arrivée de la COVID-19 a rendu les choses un peu difficiles pour certains d'entre nous, la majorité d'entre nous. Vous avez été correct hier, on passe un nouveau chapitre. Je vous souhaite la meilleure des chances pour votre futur et j'espère que vous en sortez quand même avec des bons souvenirs. C'est sûr que la dernière année va avoir été facile pour personne, mais d'avoir pu passer mes deux dernières sessions en personne sur le campus, d'avoir pu monter sur les planches une dernière fois à la grange, mais je pense que ma dernière année va avoir valu ça. Les avantages pour moi, c'était qu'il y avait, j'avais pas à me déplacer, aucun stationnement. Le Zoom, ça fonctionnait très bien au niveau de l'enseignement. Puis j'ai eu une très belle année, j'ai gradué avec succès. Pour moi, terminer mon bac à distance, ça a été rempli d'émotions. Les personnes qui habitent avec moi pourraient vous témoigner qu'il y a eu des moments qui étaient plus difficiles, plus nostalgiques, parce que j'aurais voulu passer ces moments-là avec mes roommates, pouvoir sortir, célébrer tous les derniers moments, dans le fond, la dernière semaine, notre dernière présentation orale. Fait que ça a quand même été difficile, mais je suis plus contente qu'on a terminé le bac que d'avoir commencé le bac en pandémie parce que je peux quand même terminer en me remémorant des souvenirs extraordinaires avec toutes les personnes que j'ai rencontrées dans mes premières années qui a été vraiment une expérience que j'échangerais contre rien au monde. Fait que je suis contente que ce soit la fin qui est à distance et non le début, même si j'ai vraiment hâte qu'on puisse tous se rassembler quelque temps pour célébrer ça. Chers alumni, soyez fiers, vous avez votre diplôme. Vous faites maintenant partie de la grande famille de l'alumni, le réseau de plus de 42 000 diplômés de l'Université de Moncton. L'alumni sera toujours là pour vous aider à faire des liens avec votre alma mater. L'heure est aux célébrations. Soyez fiers. Félicitations. L'Université vous remercie d'avoir participé à cette grande fête. La chanson thème de l'Université a été composée par le chanteur et poète acadien Calix Duguay à l'occasion du 25e anniversaire de l'Université. Afin de clore cette cérémonie en beauté, accueillons nos musiciennes et nos musiciens de notre département de musique. On peut la fête à l'université.
voix nue. Des hivers insoumis, guérir nos déchirures, en faire des amis, se lever face à l'ignorance et choisir la beauté. Voir la musique écrire au tableau du silence, un chant d'espoir pour l'humanité. C'est toujours bon de vivre ensemble une aventure, en misant sur la jeunesse du pays, de bâtir l'avenir pour qu'il soit à la mesure de tous les rêves que font les gens d'ici. C'est toujours bon d'ouvrir les yeux sur le monde, d'offrir son cœur à l'univers et la cité. Ça donne le goût de crier de part. Ça donne